Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, c'est comme je vous ai dit, certains événements nous poussent à certaines réactions, les amas, je sais pas comment les définir, des fois, donc, il y a une vidéo qui est sortie, soi-disant un certain Mad Max qui parle du danger que représentent soi-disant les islamistes ou... Bon, يعني, le langage il est devenu un langage bleu, قدام, مانيش عارف انا سميهم سميات واحد اخرين بالك نامنوكم مي بون اسلاميست ومنا وهدي ما كملتوا مع اسلاميست دخلتوا في وهابيست كملتوا مع وهابيست مانيش عارف وين دخلتوا مي بون سكي ما تورلوبيني بتاترو بيان كو سي باسكو La vidéo, elle a été reportée par un ami que j'apprécie beaucoup. On a eu quelques explications sur l'objet. Parce que faire de la publicité gratuite à un bonhomme, moi je trouve que le petit gars, il a signifié quelque chose ou là. Mais bon, parce qu'on ne sait pas quel est le contenu du message, on ne le sait pas. Et en fin de compte, moi, ce que je voudrais simplement dire, et je ne vais pas être très expressif dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que vous reprochez à Ali Belhaj? Et loin de moi l'idée de défendre Ali Belhaj, bien que le défendre, ça serait un honneur pour moi. Ali Belhaj est capable de se défendre tout seul, il a tous les arguments qu'il faut pour le faire tout seul. Moi, je vous dis une chose. Au travers, si vous voulez à tout prix prendre Ali Belhaj comme bouc émissaire et comme enveloppe pour défendre les malfrats derrière lesquels vous êtes et qui sont la DRS, moi je le redirai 10 milliards de fois et je resterai convaincu jusqu'à ce que, je resterai convaincu jusqu'à ce que la haqiqa تبرز للعيان et donc le fait de prendre Ali Belhaj comme bouc émissaire pour défendre les exactions et les assassinats et les génocides qu'il y a eu au pays par ces malfrats, par ces généraux, par Khaled Nazar, par Toufik, où c'est venu, par tous les Gnaysia et les Bey et les Tartag et les Et par la suite, ce qui est venu, il est venu pour compléter toute cette mascarade à travers Bouteflika, où tout son clan, les corrompus, les corrupteurs, etc., etc. Vous vous basez sur quoi? Sur une seule version de l'histoire. Et cette version qui a prouvé à quel point c'est une version mensongère. Neshadou, ils ont prouvé 10 milliards de fois. بلي ناس كذابين مختلسين خيان قتالين ما عندهمش مشكل في هذا في المونتاج لي ماس ميديا كو نو زافون لانفورماسيون اون الجيري الي ديتوني بار سي جون لا الي ديتوني بار سيت اورغان كي سابيل لا دي ار اس دونك ال في دو لانفورماسيون سو كيل فو لا مانيبول ا سا مانيير دونك سمعتوا من هذا الطرف هذا وحكمتوا سي بون Moi je vous dis, s'il y a un seul point sur lequel vous ne pouvez pas reprocher quoi que ce soit à Ali Belhaj, c'est qu'il a dit, établissons un organe de justice digne de ce nom et je serai le premier à accepter d'être traduit devant la justice. Une justice, mais à une seule condition. Que tout le monde soit traduit aussi. Bien un nas hadou li ra alihum le kalam, il soit aussi bien traduit. Et il vous a défié de traduire tout le monde, y compris lui, même devant une justice partielle. Plutôt dire impartiale, ou un angoul. Choisissez la haie, choisissez n'importe quoi. Vous n'aurez jamais le courage de défendre pareille idée. Vous n'aurez jamais le courage de défendre pareille revendication. Parce que si vous êtes en train de faire des choses, ou l'ahrar, c'est là.
Et vous les traitez Obama ou sionisme. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Vous prenez les gens pour qui? Vous avez oublié les vrais terroristes, ceux qui ont spolié tout l'argent du peuple algérien, ceux qui ont assassiné le peuple algérien, Kbir ou Sghir ou Nsa ou Rjel, ceux qui ont accompli 20 000 disparitions, sans parler des injustices, sans parler de ce qui se passe actuellement, naissent parce que ces gens-là se sont enrichis et vivent comme des dieux sur terre. Ça, c'est pas des terroristes à vos yeux. Ça, ils n'ont rien à voir avec le sionisme, ils n'ont rien à voir avec Obama, ou avec l'Américain, ou avec France Amoum, ou avec. Mais vous trouvez par contre, Gannes Shurafa, de les lier ou de se rouler sur un terme. Rabbi Yahsharkum, مع هاد اللي انا نسميهم الكلاب الصاعره ربي يحشركم معاهم وحنا ربي يحشرنا مع علي بن الحاج يا ربي هذا هو السلام عليكم